Donc le gros du travail, monsieur le ministre, c'est les travaux de terrassement et les travaux liés à la stabilité. Car le volume de débris à évacuer à la décharge est vraiment très important. Il est de 1 million de mètres cubes, sans compter la partie remblée une fois que les terrassements seront finalisés. Le problème de décharge, nous l'avons réglé d'une façon partielle et nous allons le traiter au fur et à mesure avec les autorités locales de la DRA qui sont en train de collaborer avec nous. Les délais provisionnaux de livraison. Les délais de livraison, donc nous avons 12 mois comme travaux liés au terrassement et à la stabilité du site et nous avons 15 mois pour le génie civil et les travaux de montage. C'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Puisque c'est pour Tizi-Ouzour, car le Fossaga crame l'utilité. Il faut faire le. On a amené un responsable, qui m'intéresse, un chef de projet. Monsieur le directeur, je vais faire le maximum. Il lui a dit, mais dis-je maximum. Parce que le maximum, ce n'est pas 100%. Le maximum est du 90. Il lui fait le. Et dans le délai. Et en totalité. Donc, de toute façon, la France, vous n'êtes pas une entreprise sous-traitante pour son Elgaz.